Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour jouer la victoire dans la côte finale. En ce qui nous concerne, on peut viser une place dans le top 10. Bonne course les gars, allez allez! Mesdames et messieurs, bonjour. Bien qu'il n'y ait pas de difficultés majeures aujourd'hui, les routes du Tarn et de l'Aveyron sont très souvent usantes. Et il faudra veiller à garder des forces tout au long de la journée pour espérer faire la différence dans la côte finale. Là où en 2015, Greg Van Avermaet avait livré une bataille splendide face à Peter Sagan pour obtenir sa première victoire sur le Tour. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Tentative d'échapper. On lâche rien. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars, plus vite, plus vite. Continuez comme ça! Allez, continuez comme ça! Bravo les gars! Allez les gars, courage! L'échappée est à 10 km du sprint intermédiaire.
L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'échappée est à 5 km du sprint intermédiaire. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention aux contres. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Les routes vont commencer à être un peu plus intéressantes avec plus de bosses. C'est plus le moment de traîner en queue de peloton, les gars. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Attention, ça n'y a pas plus d'énergie pour attaquer. Bravo les gars! Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Du dernier grimpeur. Allez les gars, courage! Il a demandé à ses gars d'assurer le tempo. Surveillez-le. Il doit se sentir en mesure de gagner l'étape.
gars. Allez, continue comme ça. Allez. La prochaine difficulté est répertoriée en troisième catégorie. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Allez, Robin. Allez. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Allez les gars, pas de chance. Allez les gars, allez les gars. Oui, Nicky.
La prochaine difficulté est aussi répertoriée en troisième catégorie. Les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1 point pour le maillot à pois. Cette dernière difficulté est assez roulante. Certains coureurs, moins bons puncheurs, pourraient en profiter pour essayer d'anticiper un sprint en vue de l'arrivée. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Demandez à ses équipiers de te prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Il essaie de sortir du peloton. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Moins de 5 km avant l'arrivée. Un homme seul, en tête, avec plus de 30 secondes d'avance. La flamme rouge est en vue pour la tête de course et elle va bientôt entamer la côte Saint-Pierre. 600 mètres avec un passage à 12%. Une belle opportunité pour placer une attaque décisive. Dernier kilomètre, sauf incident, c'est gagné pour l'homme de tête. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. T'es bientôt à bout de force. Essaye de gérer si tu veux éviter une défaillance. Oui,
Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore.